En juin 1833, il avait été transféré avec d'autres prisonniers au Mont-Saint-Michel. Dans sa petite cellule, il aimait regarder les effets de la lumière du jour sur sa seule table. Il pouvait passer des heures assis, les jambes croisées, à fixer les imperfections du bois. Ailleurs, son nom était devenu célèbre parmi les républicains réduits à l'opposition, et quelques journaux militants relayaient ses exploits. Il était estimé de ses codétenus. On le voyait comme un homme d'action aux réflexions brèves, plutôt qu'un théoricien de la Révolution. Mais certaines voix murmuraient déjà qu'il était responsable de la disparition de l'argent versé aux détenus politiques. Il avait à la poitrine un impact de balle, reçu pendant les Trois Glorieuses. Il lui manquait une phalange entière à son index droit, qu'il prenait soin de dissimuler pour ne pas éveiller les soupçons. Il se considérait lui-même comme un loyal républicain, perpétuel soldat dans une révolution qui n'était pas encore finie. Il ne regrettait ni ses prises d'armes contre l'autorité, ni les nombreuses victimes qu'il lui avait infligées. Mais il avait besoin d'argent, et afin de faire vivre son mythe, il écrivait, prétexte pour parler de ses actions à un public qu'il savait exister. Il allait voir un autre hiver passer, dans les geôles du Mont. Et le 15 mai de l'an 1834, il eut 34 ans. Début 2010, est retrouvé par hasard un ensemble de feuillets manuscrits totalement inconnus. Le tout forme une lettre signée par un certain Charles Jeanne, le meneur des barricades de la rue Saint-Merry et l'un des principaux acteurs de l'insurrection des 5 et 6 juin 1832. Cette année-là, Paris est touché de plein fouet par une épidémie de choléra depuis le mois de mars. Au pire moment, 1000 personnes meurent par jour dans les rues et les hôpitaux de la capitale. L'agitation grandit à mesure que la maladie frappe surtout les pauvres, alors que les puissants et les pourvus fuient la ville avec dans leur bagage une foule de médecins et de pharmaciens. La tension est à son comble quand les journaux annoncent la mort du général Lamarque, un vétéran des guerres de la Révolution et de l'Empire et un défenseur de la cause populaire. Alors que le cortège funéraire rassemble une vaste foule de militants fâchés de la création d'une monarchie constitutionnelle après la révolution de juillet 1830, les provocations des forces de l'ordre entraînent une émeute qui se transforme rapidement en insurrection. Charles Jeanne est parmi la foule de militants qui installe son quartier général dans la rue Saint-Merry. Dans cette lettre, écrite 18 mois plus tard, il explique en 58 pages, à sa sœur, les combats qu'il a menés pendant 2 jours, avec une rare précision. Au cœur de cette résistance, il y a la barricade, centre du récit. Elle y apparaît dans les moindres détails, de sa construction à sa chute. Cet objet historique a traversé le temps pour être sans cesse réinventé, jusqu'à devenir l'image même de la révolte urbaine. Curieusement, c'est cette même insurrection sans lendemain de juin 1832 qui forme l'archétype culturel de l'utilisation de la barricade, grâce à Victor Hugo, qui l'a immortalisé dans Les Misérables. La lecture de la lettre de Charles Jeanne est une invitation à voir au-delà de la toile romantique qui recouvre la barricade, à saisir les véritables natures de cet objet, de ses origines à son inscription dans l'histoire sociale de l'Europe, mais surtout à tenter de comprendre son utilité et son efficacité tactique et tout ce que cela peut nous dire sur l'histoire des affrontements durant les insurrections urbaines. Accompagné par des extraits de la lettre de Charles Jeanne, dont les détails transcendent son époque, cette vidéo se propose d'étudier la barricade, d'abord par son histoire, mais également par ses aspects culturels, romantiques, politiques et bien évidemment tactiques. Bonne et aimable sœur, je puis enfin vous envoyer cette relation que vous m'avez demandée. 18 mois déjà se sont écoulés depuis les 2 glorieuses et néfastes journées dont vous avez exigé que je vous trace quelques-uns des tristes épisodes.
et bien des inquiétudes, bien des chagrins sont venus depuis ce temps effacer de ma mémoire, non le souvenir des belles actions et du courage surhumain de mes compagnons d'armes, mais un grand nombre de détails dont la couleur locale aurait pu, sous une plume plus exercée que la mienne, donner de la vie et du mouvement à l'esquisse de ce grand et sublime tableau. Trouver un acte de naissance de la barricade n'est pas si simple, car celle-ci n'apparaît pas subitement dans l'histoire. En revanche, son entrée dans la mémoire collective est tellement marquante que l'on s'est longtemps arrêté à cette origine. En effet, la première journée des barricades, à Paris, le 12 mai 1588, est la première occurrence de cet objet dans l'histoire parisienne. Et loin d'être révolutionnaire, le soulèvement est à son origine plutôt réactionnaire. Le peuple parisien, traditionnellement catholique, se révolte contre Henri III, qui a pris l'initiative d'accorder des concessions aux protestants et tente de limiter l'influence du duc de Guise, un des principaux meneurs catholiques, en rassemblant dans Paris 4000 soldats étrangers en armes. En une journée, Paris est entièrement bloqué et des barricades sont levées un peu partout, avec une forte concentration dans le quartier latin, où on attribue traditionnellement les toutes premières barricades autour de la place Maubert. Le lendemain, le roi, en position critique, quitte la ville pour ne plus jamais y rentrer. Mais les sources de la journée des barricades ne sont pourtant pas les seules à employer ce mot à cette période. Il apparaît pour la première fois dans un ouvrage du général Blaise de Montluc, commandant des troupes royales contre les protestants pendant les années 1570. Il en a fait personnellement l'expérience, à Mont-de-Marsan, en 1569, lorsqu'il prend d'assaut la ville. L'emploi de ce nom dérive des barriques, que l'on alignait et remplissait de terre pour monter la barricade. Pendant cette époque, ce procédé semble apparaître lors d'autres événements. En 1570, à Rabastance de Bigorre, et en 1580, à Romans. Si ces épisodes sont marginaux, ils existent et montrent que l'idée de se barricader dans une ville pour mieux résister à des troupes était présente dans l'esprit des gens. Ceci étant dit, il ne faut pas oublier que ces premières barricades s'inscrivent elles-mêmes dans un ensemble de pratiques issues de révoltes urbaines remontant au Moyen-Âge, et dont une forme d'action peut être véritablement qualifiée d'ancêtre de la barricade, celle de tendre des chaînes. Depuis Étienne Marcel, le fameux prévôt des marchands de 1354 à 1358, les quartiers de Paris sont dotés de chaînes qui peuvent être tendues entre deux bâtiments pour clore des rues entières, comme cela était déjà fait dans certaines villes de Flandre. Entravant la circulation et permettant de contrôler de quartier en quartier les entrées et sorties, elles étaient un moyen de restreindre les capacités d'action des troupes royales tout en s'assurant de contrôler les possibles tentatives de brigandage de personnes souhaitant profiter d'une période de trouble. Ainsi, on voit que l'apparition de la barricade, jusqu'à sa véritable entrée dans l'histoire, est le fruit d'une évolution lente qui n'apparaît brutale que par l'effet que ces barricades ont eu sur la mémoire collective. Il faut bien voir que la barricade est un objet qui s'impose par son symbolisme, mais également par ses effets très pratiques sur la ville. Elle est un moyen efficace de bloquer cette dernière, de restituer l'espace urbain à la population. Mais surtout, elle ne requiert aucune préparation. Elle est spontanée, auto-organisée, et son matériel nécessaire est à portée de main dans la rue. En cela, la barricade parvient à parfaitement s'intégrer dans l'ensemble des actions insurrectionnelles populaires. On peut parler ici d'une forme de répertoire d'action. Car la révolte, même si elle remet en cause un ordre établi, n'échappe pas à la constitution d'habitudes culturelles. Ce qui explique l'émergence d'une routine insurrectionnelle pour toute la population. Et cela se confirme et se renforce avec la deuxième journée des barricades, à Paris, le 27 août 1648, pendant la fronde parlementaire. Cette dernière fait définitivement à la barricade une place dans l'histoire française. Là encore, c'est une ingérence du pouvoir royal sur la ville de Paris qui provoque la révolte. Certes, les magistrats du Parlement de Paris jouent un rôle important dans le soulèvement, pour déstabiliser la politique de Mazarin qui les défavorise. Mais c'est surtout une réaction à la perte progressive de la forte indépendance municipale de Paris à la faveur d'un État toujours plus présent qui pousse les citadins à agir. Dans ce sens, les barricades des XVIe et XVIIe siècles restent, à l'image des levées de chaînes du Moyen-Âge, des dispositifs de sécurité mis en place par les différents quartiers de la ville pour protéger les habitants alors que le chaos sévit. D'ailleurs,
Quand on observe la composition des barricades de cette époque, on trouve souvent des chaînes auxquelles s'ajoutent barriques et autres objets du mobilier urbain. C'est dans un deuxième temps seulement que certains parmi les rebelles envisagent d'occuper les axes de communication pour couper la circulation des troupes royales. À nouveau, pour Paris, pendant la Fronde, l'aspect exceptionnel de l'événement efface plusieurs autres apparitions de la barricade, plus locales, depuis la première journée en août 1648 jusqu'en 1652, que ce soit à Lyon, Marseille, Bordeaux, Dijon, Agen et j'en passe. Puis plus rien, pendant 135 ans. En effet, dans une dynamique amorcée dès le début du règne personnel de Louis XIV, la monarchie parvient à déplacer les conflits armés au-delà des frontières, et la sécurité de la ville est renforcée par des mesures de contrôle toujours plus importantes. Mais si la pratique de tendre les chaînes disparaît, les barricades ne quittent pas l'imaginaire public urbain. Et le plus curieux, c'est qu'elles ne font pas leur retour en France, mais en Belgique, et en particulier à Bruxelles, en septembre 1787. En est la cause un ensemble de réformes promulguées par l'empereur d'Autriche, qui possède encore la région sous son contrôle. Ces lois sont certes libérales, mais sont imposées sans aucune consultation des corps intermédiaires qui composent la Belgique, et sont donc perçues par ses habitants comme une atteinte à leur liberté politique. Rapidement, la résistance belge s'organise entre 1787 et 1789 à l'échelle régionale, et débouche même sur une déclaration d'indépendance. Lors de la Révolution française, les barricades sont bien présentes, et ce, dès le 14 juillet. Mais elles ont été globalement oubliées derrière l'ombre de la prise de la Bastille. Elles jouent pourtant un rôle déterminant à Varennes, lors de la capture du roi en fuite, permettant à des habitants locaux de bloquer l'arrivée d'une unité de cavalerie royaliste se portant au secours du souverain. Mais l'emploi des barricades se poursuit tout au long de la période, en particulier avec la journée du 4 Prairial, où les Jacobins tentent une dernière fois, après la chute de Robespierre, d'imposer un nouveau gouvernement avec une constitution plus proche des attentes de la population plus modeste. L'insurrection est un échec, qui scelle définitivement l'avenir de la révolution populaire et débouche sur la création du Directoire, qui entérine la domination bourgeoise sur la politique française. Mais la barricade à cette époque n'est pas encore associée à un soulèvement libéral du peuple. Elle n'est pour l'instant qu'un outil de lutte urbaine sans réelle signification politique. Puisque, pendant la Révolution même, elle est également utilisée par des insurgés monarchistes lors de la fameuse révolte des 13 et 14 Vendémiaires 1795. C'est d'ailleurs lors de cet épisode que l'emploi du canon par les forces de l'ordre contre les insurgés, et en particulier contre les barricades, s'avère redoutable. Ici, c'est Bonaparte, général des armées de l'intérieur, qui en est l'instigateur. Mais le véritable âge d'or des barricades, et bien le deuxième quart du 19e siècle. La barricade réapparaît par une nuit de novembre 1827 à Paris. À ce moment, la France est de nouveau sous la domination des Bourbons, revenus après la chute du Premier Empire. Le roi Charles X règne depuis 2 ans, et déjà les libéraux l'accusent d'aspirer à rétablir une monarchie autoritaire et théocratique. Alors qu'en 1827, ses ministres tentent de remodeler le corps législatif en faveur du roi, des barricades s'élèvent à Paris. Mais ce court épisode n'est qu'une simple répétition avant les grandes journées de juillet 1830, surnommées les Trois Glorieuses. Elles sont une nouvelle fois la conséquence de lois réactionnaires de Charles X, lois qui ordonnent entre autres la réduction du corps électoral et la censure de la presse. En 3 jours, plus de 4000 barricades sont construites, atteignant leur plus haute concentration de l'histoire, mais aussi leur plus grande efficacité. Les troupes du roi, dirigées par l'ex-maréchal d'Empire Marmont, sont repoussées partout dans la ville lors de combats acharnés, et Charles X quitte définitivement le pays. Le 27 vit exciter les masses à la résistance. Le 27 vit combattre le despotisme, les armes à la main. Atteint le 28 de 4 blessures graves, je ne pensais pas avoir assez fait œuvre pour la patrie, et quoique blessé de nouveau 2 fois le 29, je ne cessais de combattre qu'alors qu'épuisé par la perte de mon sang, je perdis connaissance et fus transporté à l'ambulance de la Bourse. Oh. Que j'étais heureux alors que déjà je voyais ma patrie libre et fière. C'est cet épisode qui réunit tous les éléments encore présents dans la mémoire collective sur l'aspect romantique,
révolutionnaire, mais également unificateur de la barricade. On peut ici parler de l'ère libérale de la barricade. On le retrouve sur celle-ci le petit bourgeois libéral, l'étudiant et l'ouvrier, se battant pour une société moins arbitraire et qui, non sans opposition sur plusieurs questions, parviennent à s'unir dans un mouvement patriotique pour une certaine conception de la liberté. De plus, c'est à ce moment que l'image de la barricade commence à circuler en Europe pour devenir un modèle culturel. La liberté guidant le peuple de Delacroix est l'exemple emblématique de cette période d'apogée des barricades. Mais il ne faut pas voir dans ce tableau un cri d'amour républicain. Plutôt une vision patriotique du soulèvement, dont le résultat monarchique convient à Delacroix. Mais au-delà des peintures célèbres, si à cette période les livres dédiés à la confection d'une barricade sont plutôt rares, des milliers de lithographies, de gravures et de journaux illustrés en véhiculent partout l'image et permettent de diffuser les formes de cette routine insurrectionnelle à partir de Paris au reste de l'Europe. Il faut en effet reconnaître que Paris était à cette période une plaque tournante du commerce du livre et un des centres principaux de la vie intellectuelle et artistique du continent. La circulation des images des barricades est aussi accélérée par le perfectionnement des techniques de reproduction de masse des débuts des années 1840 et la naissance de la presse illustrée. On peut compter dans ce sens l'hebdomadaire français L'Illustration, né en 1843, l'anglaise The Illustrated London News et le turinois Il Mondo Illustrato. Mais l'euphorie est de courte durée pour les classes populaires et les républicains français. La récupération de ces trois glorieuses par la bourgeoisie financière accouche de la monarchie de Juillet, voyant la branche des Orléans s'asseoir sur le trône de France, créant bon nombre de déçus, au premier rang desquels Charles Jeanne. Rêve enchanteur, tu fus suivi du plus affreux réveil. J'entendis des clameurs, des cris que semblaient inspirer le bonheur et la joie. Nous nous étions battus pour la liberté et nous avions un roi. Nous avions versé le plus pur de notre sang pour repousser toute une génération de Bourbons et l'on nous rendait un Bourbon. Mon désespoir fut extrême. Aussi ce sentiment joint à celui de la vengeance se réveillèrent-ils plus violent que jamais lorsque j'eus acquis la triste certitude que la déception seule était une vérité. Mais c'est en 1848 que certaines aspirations sociales et démocratiques des Français parviennent à s'imposer. Le roi Louis-Philippe, à la tête du pays depuis 1830, fait face, depuis les années 1840, à une opposition radicale de plus en plus forte. La convergence d'un refus de réformes politiques et d'une importante crise économique et frumentaire débouche sur une révolution parisienne. Le 22 février 1848, à la nouvelle de l'interdiction des banquets politiques dans la capitale, une poignée d'étudiants et de meneurs radicaux manifeste son mécontentement et érige des barricades. Le gouvernement, qui dispose de 30 000 hommes en armes, ne se pense pas en danger. Mais dès le 23 février, l'infanterie de ligne engagée dans Paris ne montre que peu d'entrain pour rétablir l'ordre. Alors que l'insurrection prend de l'ampleur, l'autorité décide d'engager la garde nationale dans les combats. Elle en paie immédiatement le coup. Cette milice citoyenne est certes composée de quelques bataillons de la bonne bourgeoisie, mais surtout d'artisans et de boutiquiers. Dès lors, le pouvoir s'en remet à l'opinion des Parisiens, qu'il a perdu depuis longtemps. Les gardes nationaux s'interposent entre le peuple et l'armée, ou se contentent de surveiller leurs propres boutiques. Dans la journée du 24, les troupes régulières échouent à pénétrer dans les quartiers populaires de Paris, et, alors qu'elles s'éloignent de la ville, la foule en armes assaille les Tuileries. Au même moment, Louis-Philippe, déconcerté et impuissant, abdique. Les barricades ont encore une fois triomphé et la Deuxième République est proclamée. Alors que de grands élans fraternels interclasses traversent le pays, la démocratie politique semble faire l'unanimité. La France devient le deuxième pays après les États-Unis à adopter le suffrage universel. De plus, la peine de mort pour raisons politiques est supprimée. La liberté de la presse est reconnue et l'esclavage aboli. Une commission gouvernementale dédiée au travail est créée et des ateliers nationaux sont mis en place pour occuper les nombreux chômeurs à des travaux publics, décrétant un droit au travail pour tout citoyen. Mais contrairement à 1789, cette victoire provoque une réaction en chaîne qui influence toute l'Europe. Les barricades sont alors invoquées partout lors de ce printemps des peuples. Mais les motivations sont diverses. Un des premiers états touchés est l'Autriche, à Vienne. Prenant pour modèle les Parisiens et leurs barricades,
les habitants réclament un régime constitutionnel et des avancées sociales. Le 13 mars, le mouvement s'embrase dans tout le pays et devient révolutionnaire. Bien évidemment, les peuples qui composent l'Empire en profitent pour revendiquer plus d'indépendance. Budapest se révolte à la mi-mars et les Hongrois obtiennent leur propre gouvernement. Prague rejoint la lutte en juin et près de 400 barricades sont érigées dans la vieille ville. Un congrès y est organisé afin d'obtenir pour les Slaves les mêmes droits politiques que les Allemands d'Autriche et les Magyars au sein de l'Empire. La partie italienne soumise à l'autorité habsbourgeoise est également emportée par cette vague révolutionnaire dès la nouvelle des premiers soulèvements viennois. Les villes qui reçoivent en premier l'information sont également les premières à monter des barricades. Venise, grande ville plus proche de la frontière, s'insurge dès la fin mars 1848. La foule d'abord assemblée sur la place Saint-Marc pour protester est dispersée avant de bâtir des barricades dans le cœur de la ville. Les troupes impériales, peu nombreuses, se replient assez rapidement sans plus de combats, laissant alors le soin aux Vénitiens de libérer leurs meneurs politiques et de proclamer le retour de leur ancienne république. En revanche, les troupes autrichiennes du maréchal Radetzky ne sont chassées de Milan qu'au terme d'une sanglante bataille de rue de plusieurs jours, dans laquelle 2000 barricades strictement organisées par les insurgés jouent un rôle central. Ces combats, connus comme les 5 journées de Milan, les Cinque Giornate, entraînent avec elles le reste de l'Italie dans la lutte pour l'indépendance et l'unité nationale. Les duchés de Parme et de Modène renversent leur souverain, autrefois protégé par l'Autriche, et Charles Albert, souverain du Piémont, prend la tête de son armée pour chasser définitivement l'Autriche d'Italie. Reprenant le drapeau vert-blanc-rouge italien de la période d'occupation française, il rentre triomphalement à Milan, aidé de volontaires de toute l'Italie. La Vénétie est finalement elle aussi rattachée au Piémont. C'est le début de la première guerre d'indépendance italienne. Les velléités unificatrices touchent aussi l'Allemagne, où, dès le 5 mars, une assemblée réunie à Heidelberg réfléchit à des moyens de réforme politique et envisage la création d'un parlement allemand. À Fribourg, Cologne, Francfort, est entonnée la Marseillaise et sont construites des barricades. À Munich, Louis Ier de Bavière est renversé, et le 13 mars, c'est Berlin qui se soulève, et avec elle plusieurs autres villes en Prusse. Les affrontements à Berlin prennent une tournure sanglante, alors que l'armée prussienne s'acharne à détruire les barricades les unes après les autres. Mais alors que la résistance populaire allait céder, Frédéric Guillaume IV décide soudainement, le 19 mars, de retirer ses troupes de la capitale, probablement démoralisé par la tournure des événements prise chez son voisin autrichien. Promesse est alors faite de donner une constitution au royaume et d'abolir la censure. Le roi et la reine sont même soumis à l'humiliation symbolique de rendre hommage, lors d'une procession de cercueils, aux citoyens tués pendant l'insurrection par leur propre armée. Au cours de l'été 1848, l'ancienne Europe centrale a disparu. Le printemps des peuples l'a enterré. Mais pourquoi cette soudaine explosion de l'utilisation des barricades en Europe ? Comment le modèle parisien a-t-il pu se répandre aussi vite ? Et quels ont été ses mécanismes de diffusion ? Comme nous l'avons dit précédemment, l'évolution technique de la presse permet l'accélération de la transmission de l'image des barricades. Mais il serait réducteur de penser que l'intégration de la barricade dans la routine insurrectionnelle des populations européennes ne s'est jouée qu'à travers une diffusion de son image et de son récit dans les journaux. Contrairement à la révolution de 1789, dont la propagation s'est basée sur un prosélytisme souvent envahissant et autoritaire, l'influence de l'exemple français s'est jouée sur des flux migratoires de population. En effet, à cette époque, Paris était un centre universitaire très influent. Nombre d'élèves autrichiens, allemands ou italiens se retrouvaient dans les couloirs de la Sorbonne, dans le quartier latin. Or, déjà, les étudiants parisiens avaient pris l'habitude de rejoindre les barricades, voire même d'en être les instigateurs ou les organisateurs, et amener avec eux leurs camarades étrangers qui ne pouvaient qu'observer leur méthode, la répartition des rôles, les discours, bref, tout ce qui faisait la barricade dans la routine insurrectionnelle parisienne. Autant de leçons que ces mêmes étudiants rapportent dans les universités de leur pays. La communauté universitaire européenne insurgente pouvait alors parfois sembler un groupe solidaire autour de la barricade. Mais s'il est difficile de parler de liens entre les étudiants français et prussiens, à l'intérieur même de l'Empire d'Autriche, on observe à Prague et à Vienne une véritable cohésion entre les deux communautés. La capitale autrichienne dispose même d'un exemple très intéressant de barricade comme symbole de ralliement d'étudiants de tous horizons. Lors des événements de mars à octobre 1848,
les étudiants viennois sont parmi les premiers à monter des barricades, dont une se démarque par sa taille, la barricade Austro-Internationale. Sur le même modèle que pour les étudiants, il existe également une grande population internationale d'ouvriers travaillant à Paris. En effet, en 1847, on compte plus de 850 000 étrangers en France, dont 60% sont des ouvriers, et 180 000 vivent à Paris. Or, les ouvriers font également partie des premiers à élever des barricades, dans une logique de quartier et d'atelier où tous se rejoignent et se reconnaissent puisqu'ils vivent et travaillent ensemble. Et c'est tout naturellement que les ouvriers étrangers, camarades d'atelier, sont intégrés dans le processus de barricadement, leur donnant l'occasion d'apprendre, d'observer, pour plus tard emporter cette expérience insurrectionnelle avec eux. Enfin, il faut mentionner une catégorie de la population bien particulière, celle des professionnels de l'insurrection, des exilés politiques. Le 19e siècle est un siècle de bouillonnement politique d'une complexité rare, mais il est également un temps où de nombreuses monarchies réactionnaires tiennent encore le pouvoir et continuent de réprimer les mouvements contestataires, qu'ils soient libéraux, républicains, ouvriers, etc. Aussi se constitue tout un ensemble de personnes criminalisées par leurs engagements politiques et qui passent leur vie en exil, les différentes monarchies se les renvoyant au gré de leurs arrestations. En 1848, Paris est un des cœurs de cette communauté qualifiée parfois comme la capitale révolutionnaire de l'Europe ou la Mecque des mécontents. Ainsi, entre 1830 et avril 1848, la barricade permet le triomphe de bon nombre de mouvements insurrectionnels sur des armées régulières, et ce dans toute l'Europe. Elle est devenue l'outil inévitable de toutes les révolutions, du soulèvement républicain aux marches pour l'unité nationale. Il est donc nécessaire de se questionner sur les raisons de ces succès militaires qui peuvent, à première vue, paraître improbables. Pour cela, dans le prochain épisode, il faudra nous pencher avec plus de précision sur les fonctions et les tactiques induites par l'emploi d'une barricade, ses spécificités sociales, ses techniques et ses acteurs. Mais nous verrons que son adoption générale concorde aussi du fait d'une adaptation des tactiques de maintien de l'ordre à son déclin et à son dépassement. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.